de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de mars. Je vous retrouve donc tout de suite pour la première séquence. Et donc, bien entendu, le mois du printemps. Tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent haletant. Mars, qui rit malgré des averses, prépare en secret le printemps. Pour les petites pâquerettes, sournoisement, lorsque tout dort, il repasse des colorettes et cisèle des boutons d'or. Dans le verger et dans la vigne, il s'en va, furtif perruquier, avec une houppe de cygne poudré à frima l'amandier. La nature au lit se repose, lui, descend au jardin désert et lasse les boutons de rose dans leur corset de velours vert. Tout en composant des solfèges, qu'au merle il siffle à mi-voix, il sème au pré les personnages et les violettes des bois. Sur le cresson de la fontaine, où le cerf boit l'oreille au guet, de sa main cachée il égrène les grelots d'argent du muguet. Sous l'herbe, pour que tu l'accueilles, il met la fraise au teint vermeil et te tresse un chapeau de feuilles pour te garantir du soleil. Puis, lorsque sa besogne est faite et que son règne va finir, au seuil d'avril tourné la tête, il dit « Printemps, tu peux venir ». J'ai donc voulu commencer ce vlog avec « Premier sourire du printemps », un poème de Théophile Gautier que je me souviens avoir appris à l'école, à l'époque où j'étais en primaire. Et j'ai eu envie de commencer par ça parce que ça m'évoque vraiment ce mois de mars. Et donc vous voyez que ici devant, je vous ai sorti deux cartes de printemps. Donc la première, c'est celle-ci, qui est donc tirée de l'oracle de Yoli Lune, donc, qui arrive dans un beau petit pochon comme celui-ci, avec les cartes des mots-clés, carte de présentation, et normalement il y avait des tirages, et je ne sais pas où ils sont, ben voilà, ils sont là les tirages, voilà, et puis donc voici le genre de cartes que l'on peut trouver dans ce très bel oracle. Donc Yoli Lune, qui a donc une chaîne, Yoli Lune, a réalisé elle-même. Donc c'est un oracle plutôt divinatoire, mais qui peut s'utiliser aussi très facilement en guidance. Et voici le dos que je trouve absolument superbe. Et puis la deuxième carte de printemps que je vous ai donc préparée, elle est tirée de l'oracle Aura, de Laura Barrière, qui est aussi un oracle divinatoire, très coloré. Je ne sais pas si on peut encore le trouver. Yoli, elle en a encore. Elle a refait une autre édition. Je pense que les cartes sont un tout petit peu plus petites. Donc ici, c'est Histoire d'Oracle. Voilà. Donc moi, je l'avais eu chez Etsy, sur Etsy. Voilà le dos. Et voilà le genre de carte. J'avais vraiment été attirée par, par les coloris, en fait, de cet oracle que je trouve très printanier et très dynamisant.
Il y a toutes les saisons, hein, c'est pas ça. Donc voilà, vous avez aussi bien l'hiver. Mais je trouve que c'est un oracle qui fait très très printanier. Et donc, on va aller voir les mots-clés qui sont associés à cette carte. Et sans surprise, bien entendu, c'est renaissance, renouveau, floraison, qui sont donc globalement les messages de ce mois de mars. Alors, je ne peux pas non plus évoquer le mois de mars sans évoquer, bien entendu, la divinité, on va dire, qui a inspiré ce mois et qui est donc le dieu Mars chez les Romains et Arès chez les Grecs. Et nous allons aller voir son message avec l'oracle mythique de Carisa Mélado et illustré par Michel Lifelan, c'est-à-dire que c'est vous la connaissez mieux sous le nom de Ravine Phelan. Donc, c'est celle qui a créé l'oracle du messager. Voici la carte de Mars, Arès, donc qui est le même dieu, mais l'un dans le panthéon romain et l'autre dans le panthéon grec. Et bien entendu, comme vous le savez sans doute, le mot-clé qui est associé à Mars ou à Arès, c'est bataille, c'est le dieu de la guerre. Et nous allons aller voir son message pour donc associer à ce mois. Voici. Donc, on va d'abord un tout petit peu aller voir le mythe, hein. Donc, Arès, c'est le fils de Zeus et d'Héra, qui sont donc les dieux primordiaux, et le dieu de la guerre, qui incarne l'esprit, mais aussi le sang, les tripes au combat. Souvent considéré, en raison de sa cruauté, comme une espèce de boucher, il ne gouverne pas la stratégie guerrière, mais plutôt l'aspect physique de la bataille. Alors, il faut vous dire que si justement le mois de mars peut être un mois de renouveau, de nouveau départ, de renaissance, c'est bien parce que il y a une énergie de, peut-être pas de bataille, mais une énergie de feu qui reprend après le repos de l'hiver. Sinon, pas de renouveau possible. Donc, le message. Arès est là pour vous rappeler de prendre un peu de recul afin de voir ce qui se passe dans votre vie. Il est dangereux de s'immerger dans le feu de l'action sans la moindre notion du comment et pourquoi vous vous trouvez là. Il est tout aussi dangereux de demeurer inconscient de la nécessité de se battre quand vous êtes en danger de vous perdre comme de perdre du terrain. Sans doute que le mois de mars vous invite à ça. Bien sûr, à prendre du recul, à ne pas vous lancer tête baissée, à foncer, peut-être comme le bélier, hein, dont la saison commence ce mois-ci aussi. Et à réfléchir quand même avant d'agir, mais comme je vous disais, il n'y a pas de renouveau possible sans une énergie de feu. Il sera peut-être nécessaire de vous battre à ce moment-là. Mais vous devez comprendre contre quoi vous luttez et pour quelle raison, afin de décider de l'action la plus bénéfique à adopter. Combattre pour ce que vous pensez être juste est très important. Mais défendre votre vérité doit être plus important que d'aboutir au résultat désiré. Il est d'autant plus important que vous ne vous battiez pas uniquement pour protéger ou prendre soin d'un ego blessé. Car prouver que vous avez raison ou que vous êtes le meilleur n'est pas une noble raison de se battre. Si c'est la raison pour laquelle vous vous démenez, attendez que la blessure soit guérie
et concentrez-vous sur d'autres opportunités où investir votre énergie. Prenez aussi garde à ne pas vous frayer un passage en charcutant tout, ainsi que les gens que vous aimez. Ce n'est pas une bonne façon de procéder. Si les passions sont exacerbées, il est important de ne pas reporter votre agressivité sur ceux qui vous sont chers et qui vous soutiennent. Parfois, quand nous ne pouvons résister à ce qui nous met vraiment en colère, nous nous en prenons à des cibles innocentes. Si vous avez tiré cette carte, il est temps de combattre pour vous, sur votre terrain, pour les personnes qui vous sont chères ou pour vos valeurs. Mais ne vous battez pas à l'aveuglette. Vous devez comprendre ce qui se passe et pourquoi. Analysez vos véritables motivations. Découvrez ce qui alimente le conflit. Après examen, si celui-ci semble être encore fondé sur votre propre vérité et votre intégrité, alors avancez en agissant calmement, fermement et avec lucidité. Voilà pour l'invitation de cette carte d'Arès pour le mois de mars. Nous nous retrouvons pour la séquence sur les animaux de ce mois de mars. Alors, j'ai choisi de vous parler d'abord de l'abeille. Et voici ce qu'on en dit dans l'Elphéméride. C'est en mars que les abeilles se réveillent et bourdonnent au soleil. Mars et la vieille peuvent s'empoigner, les nymphes gambader, les elfes et alfes s'affronter de giboulée en giboulée. L'abeille a d'autres plus sérieuses occupations. De fleur en fleur, elle va remplir ses seaux, remplir les alvéoles, remplir le garde-manger. Il faut que tourne la machine. Sans même y songer, l'abeille sait que si elle s'arrêtait, tout s'arrêterait. Elles sont nées des larmes des dieux qu'elles ont versées pour offrir de la douceur aux hommes. Le miel est un don céleste. L'hydromel est le breuvage des élus dans le royaume éternel. Ouvrière divine, elle demande à être aimée et respectée. Il est bienvenu de s'adresser à elle par des petits noms affectueux. Mes petites fées, mes belles, mes chéries, mes mignonnes. Autrefois, on les apprivoisait grâce à la musique et au chant. Leur maître s'obligeait à se présenter à la ruche, proprement vêtue, lavée de toute mauvaise odeur et n'ayant point connu la femme trop récemment. Lorsqu'un garçon venait au monde, on nouait un chiffon rouge à la ruche, blanc si c'était une fille. Au mariage, on leur apportait un morceau de gâteau de noces et un bout de la robe de l'épousée. On les avertissait de la mort du maître en voilant de noir la ruche. On raconte qu'autrefois, elles avaient réclamé au Créateur un dar pour mieux défendre leurs biens, ce qui leur fut accordé. Mais, ayant de leur venin abusé, le Créateur y mit un holà. Toute personne que tu piqueras s'en ressentira, mais, après l'avoir piqué, tu mourras. Depuis, elle ne pique que ceux qui ont le mal en eux. Alors, au niveau des jeux, je vous ai préparé la carte de l'abeille dans le tarot des animaux de Torin Virtue et Radley Valentine. Et c'est intéressant parce que, bien entendu, nous avons le 8 du printemps, n'est-ce pas? Nous sommes bien au printemps, au mois de mars. Et donc, le message, c'est « Plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. » Et on va aller voir le message plus détaillé dans le petit livret. Donc le 8 de printemps correspondant donc au 8 de bâton.
Donc, nous avons des petites phrases clés. Être occupé, avoir trop de choses à faire, jongler avec les priorités, nécessité de faire plusieurs choses à la fois. L'abeille symbolise le stress causé par le fait de courir plusieurs lièvres à la fois. Toutefois, ces lièvres sont souvent très captivants. Pensez à 8 choses merveilleuses et passionnantes que vous aimeriez voir apparaître dans votre vie. Imaginez maintenant qu'elles arrivent toutes en même temps. Il y a de fortes chances que vous soyez passablement submergé. Mais ce stress résulterait de votre tentative de jongler avec autant de merveilleuses bénédictions. L'abeille peut également indiquer la nécessité d'établir des priorités, de recevoir ou de transmettre un message très important ou un voyage par voie aérienne. Voilà. Donc, je pense qu'ici, ça nous donne comme message de bien prioriser nos tâches. Avec le renouveau du printemps, on va avoir tendance, effectivement, à se sentir plus dynamique, à se sentir des envies, peut-être de grands nettoyages de printemps, hein, je ne sais pas. Ou en tout cas, des envies de création. Et je crois que ce sera important de bien nous mettre des priorités, de ne pas agir en courant dans tous les sens sans savoir ce que nous faisons. Alors, l'abeille était présente dans un deuxième jeu que j'ai sélectionné pour vous, qui est la petite boîte de Pandore d'Émilie de Dieu. Et le message de l'abeille, donc c'est juste un petit message sur la carte, nous dit « Je transforme toutes mes expériences en enseignement. » Et dont peut-être celui de faire une priorité, bien entendu. Le deuxième animal que j'ai sélectionné pour ce mois de mars, c'est le hérisson. Et je vais vous lire une petite histoire de l'éphéméride. Pourquoi le hérisson a-t-il une tête de souris et un corps d'oursin? Avant d'avoir le corps hérissé d'arêtes, le hérisson était une grosse souris, comme toutes les grosses souris de ce temps-là. En ces lointaines années de grimoirie, les souris et les chats s'entendaient comme larrons en foire. Ils parlaient le même langage, buvaient et mangeaient dans la même marmite. Mais le chat est plein d'ombre, et dans l'ombre se tient le diable. Aussi, un jour, le chat, trouvant sa vraie nature, eut envie de faire mal à la souris. Il alla trouver le rémouleur pour se faire aiguiser dents et griffes pareilles à des rasoirs. La souris, l'ayant vu, afin de se défendre, plongea dans une cuve de pois chaude, puis courut se rouler parmi les ronces et les broussailles d'épines pour ressortir aussi hérissée de dards et de piquants qu'un oursin. Et maintenant, rira bien qui rira le dernier. En avant, on fait la bagarre. Quand le chat l'attaqua, mal lui en prit. Ni ses ongles, ni ses crocs ne lui servirent à rien. Ils avaient beau être parfaitement affilés, ils ne pouvaient rien contre l'armure de l'adversaire. Et le chat, vaincu, sanglant, s'en retourna, queue basse, panser ses plaies dans un coin. La souris triomphait. Mais lorsqu'elle voulut se débarrasser de sa cotte d'épines, la poix en refroidissant était si fort collée à la peau que jamais elle ne put en ôter des piquants et devint hérisson. Et donc, pour le hérisson, je vous ai trouvé des cartes dans plusieurs jeux, dont celui de l'oracle de la forêt de soigne. Donc, voici donc le hérisson d'Europe.
Et je vais vous lire le message délivré par le hérisson de cet oracle. Alors, le hérisson. Voilà. Donc, le mot-clé est merveille. Et le message de la carte. Il n'y a aucune raison de vous comparer aux autres. Que vous vous croyez mieux qu'un autre ou que vous vous sentiez moindre, ce sont les deux faces de la même monnaie. Vous ne vous valorisez pas à votre juste valeur. Peut-être même finissez-vous par penser que le monde, les autres, vous toisent et vous jugent à l'aune de vos propres critères. Parce que c'est bien ici que nous nous trouvons, votre propre regard sur vous-même. Ah, si vous pouviez vous regarder avec les yeux du hérisson. Ah, si vous pouviez, comme lui, avancer dans vos propres traces. Il n'est pas question de vivre uniquement par vous-même et pour vous-même, mais de cesser de projeter vos propres regrets, vos critiques, vos faiblesses supposées sur les autres. Vous pouvez être vulnérable, vous pouvez vous mettre en boule, vous pouvez vous reposer, mais toujours, toujours ouvrez les yeux sur la merveille que représente un être qui cherche et parfois trouve. Il n'y a rien à trouver. Il n'y a rien à atteindre ou à dépasser. Soyez vous-même. Le monde vous trouvera. Et je trouve ça extraordinaire parce que, encore une fois, on revient à cette notion de vérité et d'authenticité qu'on avait vue avec le petit conte que je vous ai lu précédemment. Et donc, je trouve ça assez extraordinaire, tous les liens qui peuvent se faire sur les différents sujets que je trouve au niveau de ce vlog. Et je vous promets que je découvre aussi les liens en le préparant. Je me dis pas, ah oui, là on parle de vérité, donc je vais reprendre ça. Ce serait un travail beaucoup trop important. Ça se fait vraiment par synchronicité et par magie. Alors, le hérisson figure aussi dans ma petite boîte de Pandore d'Émilie de Dieu et nous propose dans cet oracle. Voilà. Je sors de ma zone de confort pour vivre pleinement mes expériences. Et donc, ça peut être effectivement intéressant puisque nous avons ce lien avec vivre notre propre vérité, ne plus faire de suppositions, de projections sur les autres. Et ça, probablement, que ça va drôlement nous faire sortir de notre zone de confort. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Quand j'essaie d'appliquer cet accord Toltec qui est « ne faites pas de suppositions », ça me fait trop m'en sortir de ma zone de confort dans le sens où c'est clair que j'ai en moi un mécanisme qui me fait supposer des tas de choses. Quand je fais quelque chose, je le juge par rapport au conditionnement que j'ai reçu. Mais en réalité, des personnes qui pourraient peut-être avoir à juger ce que j'ai fait et à voir si c'est déjà vrai qu'elles vont le juger, mais en admettant même que ces personnes vont, on va peut-être pas dire le juger, mais l'évaluer, elles n'ont peut-être pas reçu les mêmes conditionnements que moi. Et donc, elles vont partir d'un autre postulat pour évaluer mon attitude ou mon travail ou
peu importe, enfin, ce que je fais, ce que je dis, vous voyez? Et donc, je trouve ça intéressant parce que moi, actuellement, j'essaie de le mettre en pratique et c'est vrai que ça me fait bousculer mes habitudes et donc ben, sortir de ma zone de confort. Trouvons donc le hérisson dans un troisième jeu qui est le tarot Okashintan et qui figure sur la carte de l'ermite. Donc voici une très 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 belle carte. C'est une des plus belles du jeu selon mon goût. Avec ce message de sagesse, d'introspection, de maturité. Ça peut nous ramener au message aussi qu'on a eu avec Mars Arès, de réfléchir avant de se lancer dans l'action. On pourrait donc ce mois avoir ces deux énergies, cette énergie de feu, et on retrouve la lumière sur la carte de l'ermite, hein. Qui va nous porter à recommencer à beaucoup plus agir. C'est la sève qui monte et on va retrouver une espèce de force vitale qui va monter. Mais d'en conserver une certaine sagesse, de prendre un recul, comme c'était dit sur la carte d'Arès, et donc d'intégrer un petit peu les qualités de sagesse, de connaissance et de maturité de l'ermite. Nous retrouvons pour la séquence sur les esprits de la nature. Et c'est très intéressant parce que vous voyez que, non, vous ne le voyez pas, j'ai laissé ici les cartes du hérisson et vous allez comprendre pourquoi. Je voulais vous lire la petite introduction ici. Mais qui êtes-vous donc ? Demanda Marie, tandis qu'elle redescendait vers les fleurs odorantes. Ou bien, n'avez-vous pas de nom auquel on vous reconnaisse ? Nous nous appelons les elfes, dit l'aimable enfant. D'ailleurs, je crois qu'on parle de nous dans le monde, à ce que j'ai entendu dire. Et donc, c'est un petit texte qui vient de Ludwig Tieck. Et c'est d'après ce texte que j'ai choisi de vous parler notamment des elfes pour représenter les énergies de la nature, enfin les élémentaux de ce mois de mars. Et donc, je suis allée chercher la carte de l'elfe dans cet oracle des êtres fantastiques de Gumio et de Sylvie Paco, Stéphanie Paco. Pourquoi je dis Sylvie ? Voilà, j'en sais absolument rien. Et alors, c'était extraordinaire parce que je suis allée chercher la carte de l'elfe, parce que je me doutais bien qu'elle y était, hein. Et voilà ce que j'ai trouvé. Ne dirait-on pas la carte de l'ermite d'un tarot ? Faut avouer que la ressemblance est quand même extraordinaire. Donc essayez de pas vous mettre le reflet de la lampe parce que sinon vous allez rien voir. Je trouve quand même que la ressemblance est drôlement par hasard, on va dire. Et puis, tenez-vous bien et regardez un petit peu
quel est le numéro que porte cette carte? Oui, vous avez bien vu, je vais ici, voilà, on le voit très bien. C'est la carte numéro 9. Tout comme l'ermite dans le tarot. Bon, on a dit qu'il n'y avait pas de hasard, n'est-ce pas? On va donc aller chercher le message de cet être fantastique, hein, de cet être, de cet élémental, de cet être, cet esprit de la nature qui nous accompagne durant ce mois de mars. L'elfe, créature féerique de la nature, accorde beaucoup d'importance à l'intimité, aux traditions et au respect. N'est-ce pas? Nous avons donc tout à fait ce lien avec l'ermite. Il t'indique un besoin d'être guidé et conseillé dans une ou plusieurs décisions que tu t'apprêtes à prendre et dans tes choix de vie. Pour cela, connecte-toi à ton ou tes guides spirituels afin d'obtenir l'aide et les conseils dont tu as besoin pour prendre tes décisions. Ça peut aussi vouloir dire vous connecter à votre propre guidance intérieure, selon vos croyances et selon le moment et votre expérience vécue, vous aurez soit envie d'aller rechercher votre guidance intérieure ou d'en appeler à l'extérieur. Tu auras des idées et des sentiments quant aux actions à suivre. Si tu ne comprends pas les conseils, demande à l'univers de te donner des signes que tu puisses reconnaître et comprendre facilement et qui te guideront sur ton chemin de vie. N'oublie pas que la vie est en grande partie une question de choix. Sans t'en rendre compte, chaque décision que tu prends te mène sur une route différente. Tu es responsable du déroulement de ta vie et en étant responsable, tu choisis d'être en contrôle en prenant des décisions en pleine conscience. Tu as un pouvoir sur les événements et sur toi-même et ce pouvoir, c'est justement ce choix. Ton choix. Un autre animal de ce mois de mars est la coccinelle. La coccinelle, Quatrinette, Galinella, Petite Nicole, Catarinetto, Papivole, c'est la bête à bon Dieu, le petit cheval du bon Dieu, ou la Vierge, la petite bête du paradis, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'ici. Oui, à Faïa, la Vénus teutonne, et à la Vierge Marie, elle est la petite bête du bonheur. Elle la porte quand elle se pose sur une personne et le nombre de points comptés sur son dos indique le nombre d'années que ça durera. Si c'est de l'amour, guère plus de 4 ans, c'est ainsi. Tant pis. Toute ronde, coquette, mais si simple à dessiner, à colorer de rouge vif, de noir brillant, c'est avec le papillon, l'insecte préféré des enfants, qui lui demande au bout du doigt « Quatrinette, Quatrinette, fera-t-il beau dimanche ?» Ou bien « Papy vole, vole, vole s'il fait chaud, vole en haut s'il fait froid, cache-toi » La coccinelle fait la pluie et le beau temps. C'est aussi un talisman, un porte-chance, un baromètre du cœur. « Vole, vole, ma petite Nicole, montre-moi de quel côté viendra mon fiancé, de quel côté je me marierai !» L'interroge celle qui rêve à ses amours. Et ce n'est pas tout. Si on l'a aidé un jour à s'envoler, à devenir ange là-haut près du bon Dieu, elle garde à celui-là sa place au paradis. Bête à bon Dieu, je vous prie, emportez-moi au paradis. Je vous supplie, jour et nuit. Et dans ma petite boîte de Pandore, toujours d'Émilie de Dieu, nous retrouvons donc le message de la coccinelle avec le mot-clé « opportunité ». Je trouve des occasions dans chaque obstacle et non des obstacles dans chaque occasion. Et nous terminons cette partie
en compagnie des cartes de printemps de l'oracle Ro et de l'oracle aquarelle de Founé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.